J'ai mal, je ne vous le cache pas. Je ne prends pas de cachet, parce que ça m'abrutit complètement, et comme en temps normal, je suis déjà pas très rapide. Non, je plaisante, mais depuis que je suis hospitalisé à Istanbul, je suis totalement dans le coltard. Ça se voit. Oui. Et vous avez mal quand même? Pas plus que pour une indigestion. Tout va bien. Je rentre bientôt. Comment va le phénomène? Pas mal. À ce propos, je vous attends de pied ferme parce qu'il y a deux, trois trucs qu'il va falloir m'expliquer. Hey, je me fais engueuler. Oui. Tant mieux. Se faire engueuler, c'est être vivant et en bonne santé. On n'engueule ni les morts, ni les blessés. Bien, vous allez être servi. Ce point-là. Vous verrez. Ne vous en faites pas, je gère. Pas de soucis inutiles. Vous gérez. Le poste vous plaît? C'est dur. Henri, Hein? vous nous avez fait peur. Je sais. Vraiment, c'est nul. Je sais, mais ça valait le coup, croyez-moi. Ça valait le coup. Oh oui. Vous aviez pris un avion médicalisé, vous aussi? Ouais. C'est comment? C'est des infirmières? Vous savez, moi, les infirmières. C'est vrai. Et ça vous fait mal? Quelques douleurs fantômes. Ah, c'est pas un mythe alors. Non, pas du tout. C'est vraiment le membre amputé qui vous fait mal. La partie qui manque. Ah, c'est fou. C'est le cerveau qui a pas compris que le membre était plus là. La moelle épinière envoie des mauvais signaux. Une enculerie, quoi. C'est fou. Alors vous y êtes? Vous êtes à l'aérodrome? On est en route. Ok. Tu nous préviens quand ça va décoller? Ok. Ça va? Céline est là? Tu veux lui parler? Non. Tu peux mettre le haut-parleur, s'il te plaît? Henri, dans 4 heures, je serai à Villa Coublet pour vous engueuler. Moi aussi. Moi aussi. Toi aussi pour engueuler, Raymond. Henri? Henri, vous m'entendez? Ils n'entendent rien. Raymond? Vous m'entendez? Ouais. Ok. Henri?
Il est fatigué. Mais ça va? Ça va aller. Raymond, il se passe quoi? Je sais pas. Décide pas de m'énerver. Hein. Je suis pas sûr. Raymond? Je suis pas sûr que ça va aller.